et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Je suis trop contente de filmer encore une fois cette vidéo parce qu'on est sur l'épisode 3 appartement. Donc je vais vous emmener avec moi à Tours, je vais vous montrer ce qu'on y fait, ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc notamment accueillir plein de monde notamment. Et du coup là je suis prête, il est quasiment 7h, je dois être à 8h là-bas donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Du coup parce que j'ai une heure de route comme je vous l'avais déjà dit, donc je vais manger un petit bout et c'est parti mon kiki. On va en voiture et on va accueillir toutes les personnes qu'on a à accueillir à mon appart, faire un peu de rangement et en déposer encore une fois des petites choses. Allez c'est parti. Coucou les amis, alors du coup on vient d'arriver à l'appart, donc juste à l'instant on vient de se garer, donc on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on a trouvé une place juste devant. Et c'est assez rare parce que dans ma rue j'ai pas beaucoup de place puisque je suis en plein centre. Donc c'est super bien parce qu'on doit en plus décharger ma télé qui arrive aujourd'hui, je vais vous la montrer du coup juste après. Et quelques petites choses qui manquaient, notamment du coup le plateau pour ma table que je vous avais montré dans mon dernier vlog, que n'hésitez pas à aller voir dans le petit. Et également du coup les petites affaires que je vais avoir, des coussins. Et c'est tout. Puisqu'après du coup, alors je vous explique un petit peu le programme de la journée. On va attendre pas mal de personnes, pourquoi? Parce que Orange doit passer pour notamment installer la fibre ici. Et je vais également installer ma Livebox Orange, mais également du coup EDF avec le gaz et l'électricité, parce que jusque là je n'en avais pas. Et j'attends également Ikea pour mon lit et mes livraisons, tout simplement Ikea. Donc c'est une journée assez chargée, on attend pas mal de monde. Donc on va attendre tout ça, on va faire un petit peu de nettoyage. Et puis on va profiter vraiment d'être à Tours. Et voilà. Donc je suis vraiment trop contente parce que j'ai reçu en plus ma carte de bus. Parce que du coup je l'avais commandée juste un petit peu avant. Je pensais pas la recevoir dans ma boîte aux lettres ici à Tours. Je pensais la recevoir chez moi du coup dans ma ville. Donc c'est vraiment super cool, la journée commence super bien. Il fait comme d'habitude un temps magnifique à Tours. En fait c'est simple, moi je suis jamais venue à Tours. Quand il pleuvait, simplement quand il faisait beau, donc on va voir ça. Et puis c'est parti, on décharge, on accueille tout le monde et la journée continue. Les amis, on vient de faire un truc super important pour mon appart, donc je suis super contente parce que ça fonctionne. On a eu peur que ce soit pas le cas, c'est que on a la lumière maintenant, on a l'électricité, c'est un truc de fou. Donc là, on attend pour le monsieur du gaz et on attend toujours le reste. Donc là, on va commencer à emballer un petit peu, à mettre mes oreillers, à faire tout ça. Et puis, je vous tiens au courant des visites qu'on a aujourd'hui. Du coup, c'est parti. Deuxième essai, on va monter le meuble télé. Bon, du coup, c'est bon. Le monsieur du gaz vient de passer. Donc ça, c'est check. Plus que deux personnes. Donc je me remets du coup sur mon meuble télé. Et c'est parti. C'est bon, je viens de monter ma télé et mon meuble télé. Du coup, j'ai toujours pas retrouvé ma pièce pour faire mon meuble. Mais j'ai au moins fait voilà, l'étagère principale et je verrai pour l'étagère secondaire, notamment pour mettre ma Livebox. Là, je suis en train de faire une recherche de chaînes pour essayer de trouver mes chaînes. Et il va falloir aussi que je commence à rechercher sur éventuellement Back Market pour mon Apple TV, pour avoir tout ce qui est Netflix, tout ça.
parce que j'ai pris une télé qui n'était pas du coup numérique, qui n'était pas connectée, et donc j'ai fait le choix voilà, de rajouter une Apple TV avec. Donc on fait ça, on recherche et puis on continue. Bon du coup j'ai regardé sur Back Market, j'ai trouvé une Apple TV, j'ai déballé complètement ma télé mais il manque un câble. Et donc là je vais partir à la Fnac, me promener un petit peu, voir déjà si je peux trouver un câble pour ma télé. Et notamment voir si j'ai pas une Apple TV pas trop trop chère que je pourrais acheter directement. Ça m'éviterait notamment l'avoir à la commander et de la recevoir et devoir y retourner à tour très rapidement. Donc je vais voir ça, c'est parti. Du coup, voilà, le technicien de chez Orange vient de passer, donc je suis trop contente parce que du coup, en plus, il nous a branché la Livebox avec la fibre optique et tout est bien raccordé, donc on attend juste que ça se termine et on pourra se connecter au Wi-Fi. La télé est branchée, mon Apple TV est juste ici et elle va bientôt être branchée. Il ne manque plus qu'à commander, du coup, enfin aller chercher le câble HDMI, le câble pour la télé. Et autant pour nous en fait, la planche du meuble télé, il manquait pas une pièce, c'était simplement qu'on a perdu une sorte de repère. Donc déjà c'était pas une pièce, c'était un repère, et que c'était simplement des petites équerres à rajouter. Donc franchement je vous le dis, c'est le super bon plan ce meuble là, parce qu'on l'a payé une dizaine d'euros, 9,99€. Donc c'est quand même super abordable, super bien et super intéressant pour voilà, faire l'utilisation d'un meuble avec une étagère. Donc je vous le recommande très franchement. Alors là du coup on attend toujours Ikea et puis ensuite du coup on va aller chercher tous les câbles qu'il nous faut. Donc c'est parti. Quand Ikea vient d'arriver, on est super content, mais du coup là on a beaucoup de boulot parce qu'on doit monter le lit. Voilà du coup mon sommier en quelque sorte, mon matelas, et après il va falloir qu'on installe tout ce qui est couette, tout ça, et qu'on monte mon miroir et qu'on installe mon Apple TV, parce que du coup je suis allée chercher mon câble HDMI. Donc du coup encore beaucoup de boulot, donc voilà. Allez c'est parti, je vous montre avec les images de la vidéo. Update du coup, donc vous avez sûrement vu, je filme avec mon téléphone depuis à peu près le milieu de la vidéo parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra et j'ai oublié ma seconde batterie, donc voilà, bref, donc c'est comme ça, je m'excuse pour la qualité si elle est un petit peu moins bonne. Du coup là je viens de finir mon lit, donc je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais, mon lit est super grand, la couette je regrette pas du tout, pour une entrée de gamme de chez Ikea elle est quand même super 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 bien, avec mes rideaux plutôt bleus orage, et ça va super bien. Et puis avec la tête de lit du coup que j'avais racheté à l'ancienne locataire qui était bois, ça va vraiment nickel, c'est vraiment super super bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement un sommier en bois et un matelas, donc ça m'a permis de payer ça un petit peu moins cher. Donc on a tout monté aujourd'hui. Quand on a vu tout ce qui était en kit, on s'est dit que ça serait très compliqué de monter et que c'est très long. Finalement c'est super simple, je veux dire Ikea, mais big up à vous parce que c'est quand même super simple, super bien expliqué, c'est quand même super rapide, on a mis moins d'1 heure à tout faire. Et donc franchement bravo et je suis trop contente du résultat. Là je vais aller monter mon miroir du coup qui est encore là-bas parce qu'on avait mis vraiment toute la place pour faire le lit, pour pouvoir avoir la place de le faire. Donc je vais faire mon miroir et je vais paramétrer mon Apple TV que j'ai réussi à aller chercher du coup mon câble
HDMI et j'ai maintenant officiellement la Wi-Fi chez moi, donc c'est officiel en fait, électricité, gaz, eau chaude, Wi-Fi. Pour moi, je peux estimer que voilà, mon appart est quand même bien bien enclenché et qu'il est quand même bien prêt. Et maintenant, le fait d'avoir cette pièce là un petit peu plus remplie, pareil, ça fait vraiment une impression de finition, tout ça, voilà, de se dire que bah là c'est prêt totalement. Et donc j'en suis vraiment super contente de tout ça. Donc c'est parti, petite pause également pour souffler un petit peu et je vous reprends juste après. C'est parti. Alors là, du coup, la journée se termine petit à petit. Les journées comme ça passe toujours beaucoup trop vite, ça c'est vraiment nul, mais voilà, c'est déjà terminé. Donc là on va commencer à repartir, du coup on va reprendre tous les cartons de Ikea parce que bah, très clairement j'ai pas la place, puis il faudrait que je les jette éventuellement. Donc là le lit est terminé, je viens de connecter du coup mon Apple TV qui s'est mise, donc j'ai mis Molotov, YouTube et Netflix pour l'instant. Voilà, ça c'est fait tout simplement, j'ai tout paramétré tout simplement. Et du coup, là on va ranger un maximum pour que tout soit propre et déjà fait pour la prochaine fois que je reviendrai. Et puis c'est tout en fait, voilà, maintenant tout est prêt, tout est opérationnel j'ai envie de dire. Alors plus qu'à commencer la rentrée scolaire et à y aller quoi tout simplement. Donc c'est tout. Donc voilà mon Apple TV en marche, je suis super contente. Toutes les personnes que nous avons eues aujourd'hui, que ce soit Orange, que ce soit Ikea ou encore le monsieur du coup pour le gaz, c'est vraiment d'une qualité très supérieure, vraiment très professionnelle. Et merci beaucoup parce qu'ils nous ont vraiment aidés du coup sur le moment. Donc ça c'était super cool. De toute façon c'était des choses qu'il fallait faire, alors autant les faire bien et les faire d'un coup. Et donc maintenant c'est fait. Là je dirais que tout est quasiment prêt dans mon appartement. J'ai fini de mettre ma table, mon lit est prêt, ma télé est prête, tout est prêt. La seule chose qu'il me reste à avoir c'est un bureau. Là je me précipite pas, voilà, je vais chercher celui qui me plaît pour que je puisse le mieux travailler possible. Et puis voilà, donc j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu, que cela vous aura diverti, que vous aurez aimé voir tout ça, le déménagement. En tout cas c'était assez fatigant, surtout qu'on a choisi la seule journée de la semaine où il faisait littéralement 30 degrés, donc il faisait assez chaud. Mais c'était super cool et donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et puis me dire voilà ce que vous en avez ressenti. Donc j'espère qu'on se verra bientôt dans une prochaine vidéo appartement sûrement, où je vous montrerai un petit peu comment je me débrouille tout ça sûrement. Et puis ma vidéo business qui est censée être justement juste avant celle-ci, vous pouvez aller voir notamment sur ma chaîne Rae Vera. Donc n'hésitez pas, allez-y, je vous dis une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Bisous.